commencez à être tanné d'utiliser plein de cahiers de maison d'édition ou encore des cahiers maison. Vous aimeriez les remplacer par différentes activités ou vous le faites déjà, par exemple différentes activités de manipulation et tout ça, mais ça devient difficile de garder des traces pour porter un jugement un petit peu plus tard dans l'étape. Donc, c'est certain qu'on peut se faire des grilles d'observation, puis honnêtement, c'est un outil vraiment extraordinaire. Donc, on peut se faire des grilles d'observation qui sont faciles à cocher et dans lesquelles on peut ajouter quelques commentaires pour aller préciser notre jugement. Mais des fois, ça s'accumule dans l'étape, puis rendu à la fin de l'étape, on a moins en mémoire quelles étaient cette activité-là et tout ça, comment l'élève a répondu, réagi, etc. Même si on a gardé plein de notes, des fois, on peut garder vraiment en tête tout ça, mais parfois on se mélange avec 20, 25, 26 élèves. Des fois, ça peut devenir un petit peu compliqué ou envahissant ou insécurisant pour certains enseignants. Donc, l'outil dont j'aimerais vous parler, c'est tout simplement Seesaw, donc le portfolio numérique Seesaw. Certains d'entre vous le savent déjà, je suis une ambassadrice Seesaw depuis, je sais plus, je pense que ça fait deux ans, on va dire 2 ans, 2 ou 3, je crois que c'est 2 ans. Donc, je suis une ambassadrice Seesaw depuis 2 ans, mais c'est pas l'ambassadrice nécessairement qui parle à vous, c'est vraiment l'enseignante en moi qui l'utilise au quotidien. Donc, Seesaw, c'est un portfolio numérique qui est gratuit. C'est certain qu'il y a des versions payantes, donc on peut l'avoir pour l'école qui est une version payante, puis on peut avoir Seesaw Plus qui nous permet quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Mais sincèrement, moi j'aimerais ça vous parler tout simplement de la fonction Seesaw gratuite, donc qui est disponible dans le fond sur toutes les plateformes. Donc vous pouvez l'avoir en ligne, vous pouvez l'avoir comme application avec les Chromebooks, vous pouvez l'utiliser également comme application sur les appareils Apple, donc l'iPad, le téléphone, l'iPhone, mais vous pouvez aussi l'avoir sur les téléphones Android. Donc, et on peut passer d'une plateforme à l'autre. Donc, dans ma classe, il y a quelques iPads qui sont disponibles en tout temps et quelques Chromebooks, puis on a souvent le chariot de Chromebooks qu'on peut emprunter. Mes élèves peuvent se connecter sur Seesaw, peu importe avec cet outil-là. Personnellement, en 3e année, mes élèves utilisent un compte classe, donc ils se connectent avec un code QR, donc ils balaient le code QR devant l'appareil, puis ils peuvent se connecter au compte de classe, puis ça leur permet d'aller enregistrer des activités, des documents dans, oui, certains documents aussi, parce qu'en lien, on peut enregistrer aussi des documents sur Seesaw qui vont se transformer en PDF, par exemple. Mais on peut aller enregistrer des traces dans le portfolio Seesaw et ça peut être classé dans le dossier. Donc, par exemple, j'ai différents dossiers. J'ai un dossier français lecture, français écriture, français communication orale. J'ai celui de mathématiques, celui d'univers social, ECR, j'en ai un que c'est pour les souvenirs, donc différentes photos qui sont prises d'événements qui ne sont pas nécessairement tout le temps pédagogiques ou seulement des petites traces comme ça de notre vie de classe au quotidien. Donc on peut avoir vraiment différents dossiers là-dedans et les élèves peuvent ou l'enseignante peuvent aller attribuer les différentes traces qui vont avoir été sauvegardées dans le portfolio de Seesaw dans ces différents dossiers-là. Mais pour revenir aux traces dont on veut garder, pour étayer notre jugement, pour partir, pour sortir des fameux cahiers, parce que, ben on va se le dire, là, c'est beau quand c'est coloré, c'est beau quand c'est vivant, mais c'est beau quand c'est dosé aussi, hein? Pas trop de cahiers. Un peu de cahiers, un peu de traces et un peu aussi d'autres choses. Donc, il faut aller vraiment toucher aux différentes sphères. Ce que j'adore avec Seesaw, c'est que je peux aller toucher les différents sens, aller toucher vraiment une activité qui est, selon moi, plus complète. Donc, un cahier d'exercice, on va lire la consigne, on va écrire, puis souvent, ça va s'arrêter là. Avec Seesaw, ce que j'aime bien, c'est que soit les élèves, par exemple, cette semaine, on devait parler des angles et des droites. Donc, dans la classe, les élèves sont partis un petit peu à la recherche aux différents angles après avoir une mini-période d'enseignement. Donc, ils sont partis à la recherche des différents angles et des différentes droites. Donc, ils pouvaient photographier autour d'eux, dans les objets qui les entourent, dans la classe et même dans le corridor, parce qu'on se permet de vivre dans le corridor et de sortir de notre classe, hein? Donc l'école est ouverte. Donc les élèves devaient photographier différents angles ou différentes droites qu'ils observaient un petit peu dans leur entourage. Donc, ils prenaient une photo directement sur Seesaw et avec l'outil d'essai, ensuite, ils pouvaient aller tracer soit l'angle ou les droites qu'ils voulaient mettre en évidence dans l'objet, parce que des fois, on voit l'objet puis on se dit, ben, qu'est-ce que tu veux mettre en évidence? Donc, ils pouvaient aller le tracer avec l'outil dessin. Et ensuite de ça, ils pouvaient aller avec une boîte texte, aller ajouter, annoter, donc quel est le type d'angle ou quel est le type de droite qu'ils ont voulu identifier dans leur photo. Et finalement, en commentaire, m'expliquer un petit peu quel est cet angle-là, quelle est cette droite, puis comment ils ont fait pour retrouver ou pour savoir que c'était cet angle-là ou cette droite-là. Donc, selon moi, ce type d'activité-là, puis on peut le faire aussi en lien avec des problèmes mathématiques qu'ils sont en train de résoudre ou de manipulations qu'ils sont en train de faire, et on peut les filmer en train de faire la manipulation. Puis, suite à ça, les élèves peuvent expliquer leur fonctionnement, expliquer leur raisonnement, faire des capsules d'enseignement et tout ça. Donc, avoir un support visuel, d'être capable de pouvoir écrire dessus, d'être capable après ça d'aller pouvoir expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, comment et tout ça. Donc, on rentre un peu dans la métacognition. Ce genre de traces-là qui sont gardées dans ce portfolio-là, Seesaw, pour moi, ça vaut tellement plus que ce qu'on fait dans un cahier d'exercice. Donc, on en fait un peu pour consolider, pour pouvoir envoyer à la maison pour étudier, mais en même temps, Seesaw, c'est vraiment merveilleux parce que à la maison, avec l'outil des parents, ils peuvent se connecter sur le compte parent pour aller voir ce qu'ils ont fait. Donc, même pour l'étude, même pour la consolidation, les élèves ont accès à leur portfolio numérique d'un peu partout et ils peuvent écouter ce qu'ils ont fait, puis avoir des discussions avec les parents aussi par rapport à ça. Les parents aussi, c'est assez avantageux parce que oui, les cahiers d'exercice qu'on les envoie à la maison pour étudier ou faire des devoirs, ça aide parce qu'ils voient qu'est-ce qu'il y en est. Mais quand sur Seesaw, ils le voient en images, ils entendent les commentaires ou qu'on envoie une capsule pédagogique en lien avec une notion vue, ben là, c'est vraiment concret, puis ça permet vraiment d'activer la communication à la maison. Parce que moi, je sais qu'avec mes enfants, quand ils revenaient de l'école, très petites, je leur demandais, puis ta journée, qu'est-ce que tu as appris? Ah, je sais pas trop, ou quoi que ce soit. Ou des fois, ben, j'avais tous les détails, sauf sur ce que je voulais vraiment entendre. Donc, Seesaw, c'est vraiment merveilleux pour ça. Donc, pour tous ceux qui veulent sortir un petit peu des cahiers, ben, je vous propose Seesaw. Ça va vous permettre de vivre des activités fort enrichissantes, fort intéressantes auprès des élèves. Ils vont vivre des activités pédagogiques, ils vont en redemander. Moi, j'ai aucun élève qui me dit « Ah non, pas sur Seesaw » parce qu'ils aiment ça. Ils savent que quand on va utiliser Seesaw, ça va être complet, ça va être intéressant et que les parents vont le voir, donc ça les stimule aussi et ils aiment ça que les parents voient ce qu'ils ont fait. Donc, je pense que ça peut répondre vraiment à un besoin, autant des enfants, autant des parents, puis des enseignants qui veulent délaisser un petit peu les cahiers. Donc, voilà, merci!